Bonjour à toi, jeune youtubeur, jeune viewer, c'est LudoPro. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo vraiment exceptionnelle, sur un jeu atypique. Vous avez même dû vous demander, mais qu'est-ce que c'est bouse? Euphloria HD. Je l'ai vu sur le PS Store, mais putain, mais qu'est-ce que c'est? Il y a des fleurs, il y a des trucs comme ça. Ça a l'air plutôt bidon, n'est-ce pas, Ludo? Eh ben non, c'est pas bidon. Ça veut pas dire qu'il y a des fleurs, c'est pourri, ok? Je vais vous montrer ça tout de suite. Ah là là, direct. Et les préjugés qu'on peut se faire sur les jeux, mais c'est incroyable. C'est incroyable. Salut! Vous voyez sur la caméra. Voilà, bon, bref, on va arrêter de faire le con. Maintenant, voilà. Un jeu à expérience, encore une fois. Eh oui, vraiment, je pouvais pas passer à côté. Il est en réduction, mais voilà, Floria apparaît, Floria HD, qui est en fait un jeu qui était sur PC à la base, qu'ils ont porté sur, tout simplement sur console. Et donc, je vais vous présenter ça, c'est facile. C'est tout simplement un jeu où on profite de la musique. Voilà. Et on peut zoomer. On a des planètes. Ah, c'est tout crâne mon écran. Il y a des planètes un peu partout. Vous voyez des planètes. Mais tout simplement explorer. On ne connaît pas ces planètes. Il faut aller les voir, ces planètes. Et tout simplement, on commence avec une petite population plutôt sympathique. Deux petits êtres volants, de plantes volantes. Et donc, voici des sortes de vaisseaux fleurs mutants. Ils font vraiment très flipper, donc c'est pour ça qu'on va baisser le son, parce que sinon on va se péter un pan. Voilà, donc là vous voyez notre population, on clique sur notre planète et wow, on voit le nombre de seedlings que l'on a, donc les seedlings c'est les trucs volants, on a là pour le moment 60. On peut créer, là vous voyez les trees, les arbres, on peut en mettre 5 en tout, et là on peut choisir entre ça, ceci, qui va nous, bien sûr si on... On utilise un arbre, on va devoir sacrifier nos seedlings, nos sortes de trucs volants. Et on a les trees qui servent à reproduire les seedlings en créé, ou sinon il y a les arbres défenseurs, on va dire, une sorte de arbres tours qui vous permettent de protéger votre planète. Donc voilà, c'est très mal expliqué, mais au moins vous avez à peu près compris. Et l'on peut, par le biais de cette flèche, voilà, voir une zone où que l'on peut explorer. Et donc là, on voit que notre planète ici est explorable. On va aller envoyer nos seedlings. On peut choisir d'en envoyer 10, 30. Voilà, en fonction, je vais en choisir, allez, 15. Voilà, j'en envoie 15, je regarde. Et oh, des populations étrangères sont présentes sur le lieu. On le tue. On tue la populace. Et on prend la planète à notre avantage. Et on va pouvoir ainsi installer des arbres, et ainsi de suite, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Et voilà comment se fait le jeu. Euphloria HD, c'est plutôt sympa. Donc là, je vais envoyer, par le biais de cette flèche-là, de cette option, mes seedlings sur la planète à chaque fois qu'ils vont se reproduire. Du coup, maintenant, dès que je vais avoir mes seedlings, qui vont se reproduire dans cette planète, ils vont être automatiquement envoyés ici. Et donc voici ma nouvelle planète que je vais vraiment investir avec des nouveaux arbres pour vraiment l'améliorer. Je peux ensuite mettre un arbre géant. Mais là je peux pas encore le faire parce que j'ai pas assez de seedlings. Je pense qu'il m'en faut au moins 100. Et ça me crée un arbre super géant. Oula, par contre, attention, je suis attaqué. Donc vous voyez le principe à peu près, c'est vraiment ça. Hein. C'est vraiment super cool, je trouve. Et c'est reposant, quoi. C'est vraiment tranquille. Vous jouez ça, mais c'est un calme absolu. Hein. La musique est vraiment vous transporte, hein, vraiment tranquille, de tranquille. Et graphiquement, c'est vraiment plutôt joli. Et on peut zoomer et vraiment, on voit vraiment les détails. Vraiment bien, c'est bien dessiné, c'est beau. Ouais, c'est joli. Donc voilà, j'ai 14 seedlings ici. Là, 0. On va attendre un peu que ça se... qui se manifeste, on peut accélérer le temps, parce que sinon on va s'endormir. Donc on va accélérer le temps, c'est ce que je fais, hein. Je joue avec le temps accéléré. C'est beaucoup, beaucoup mieux. Et là, les seedlings se multiplient par fonction exponentielle. De manière exponentielle, c'est plus français. Et voilà, donc on attend un peu, les seedlings apparaissent. On va faire vraiment le niveau ensemble, hein. On va pas se gêner. On est entre amis aujourd'hui. Donc, pour parler un peu tranquillement, je recherche des personnes matures pour faire une vidéo prochainement. Après, bon, bien sûr, vers juin,
juin, début juin, fin mai, pour faire une vidéo débat. Je recherche des personnes plutôt matures avec qui je peux parler jeux vidéo sans problème, qui ont beaucoup de connaissances. Je vais faire un débat et je veux que ces personnes-là participent à mes vidéos. J'ai proposé à une personne déjà de participer, elle a accepté, et donc elle attend juste le feu vert. Voilà, environ 14 ans, je pense, ou je sais pas quel âge il a déjà. Mais voilà, déjà il participe et c'est plutôt pas mal. À voir si je peux pas avoir des personnes un peu plus grandes, un peu plus âgées, ou même encore des personnes de 14 ans qui sont matures, ça ne me dérange pas du tout. Et qui s'y connaissent, tout simplement, ça ne me dérange pas. Donc voilà, vraiment, je vais créer mon. Qu'est-ce que. Alors attendez. Voilà, on va. Voilà, on va envoyer nos seedlings ici. On va créer un arbre. Est-ce qu'on peut créer un truc là? Voilà, je crée un arbre. Voilà. Un terraform tree. Je le crée. Il faut 100 bestioles. Ah non, j'en ai pas assez encore. Normalement, les bestioles devraient aller ici. Je me trompe un peu, normalement. Donc là, on commence à être nombreux. Ça, c'est bon. Hein. C'est très bon même. Voilà. J'ai un peu bouché. C'est pour ça que je parle avec le nez. Voilà, pour le moment, on attend un peu les seedlings. Même les planètes ont des noms quand même, hein, c'est pour vous dire. Erpaïr, Ibelir. Donc là, je clique. Donc voilà, si vous êtes intéressé par ma requête, n'hésitez pas à m'envoyer un MP sur YouTube ou un commentaire dans les commentaires. Voilà, donc juste pour voilà, vous faire participer, vous montrer que je ne suis pas seul et que vous êtes là. Et voilà, tout simplement, j'ai envie de vous faire participer, j'ai envie de vous intégrer dans ma chaîne pour que tout simplement on participe ensemble, qu'on s'amuse et qu'on débatte et qu'on voit les choses avec des visions différentes et qu'on puisse en apprendre des autres et partager nos connaissances. Voilà, tout simplement. Et partager notre passion sur différents thèmes. Pourquoi pas? Voilà, je crée les questions et voilà, je commencerai à. On discutera ensemble et je vous aiderai moi tout simplement à animer le débat et on verra si ça marche. Et si ça marche pas, et ça marche pas, c'est pas grave. On fera un débat spécial PS Vita sûrement pour ouais, vraiment sérieux et vraiment de façon, je veux dire, intelligente. Pas des trucs nuls, quoi. Je veux vraiment pas un truc nul, je veux vraiment un truc sérieux. Un truc vraiment intéressant. J'en vois un en éclaireur là, un seedling en repéreur, et là on voit que c'est dangereux. On le remarque. Bon, on va tous le envoyer. Oui, allez, bam. Ça c'est fait. Ah oui, ça c'est pas bête. Hein. On va les envoyer ici. Ah oui, parce qu'après il faut que toutes les planètes envoient leurs seedlings au même endroit. Et ça, j'ai pas pensé. Ça, on pourrait créer des. Ouais. Alors ça, je vais l'envoyer là. Voilà, je vais tout condenser. Ok. Ok. Voilà, c'est bien mieux. C'est bien mieux comme ça. Donc là, on est 165, donc je vais pouvoir créer un trees, un petit arbre. Voilà, donc là, on envoie. Et là, je crée l'arbre. Après. Oula. Attention. Oula, oula, oula. Non, je préfère pas créer l'arbre. Voilà, donc là ils vont se reproduire, ça va être rapide. 100. Voilà, on crée le trees. Le super arbre, on le crée. Il va se créer normalement, je pense. Faudra un peu plus de monde. Je sais pas si ça va fonctionner. En tout cas. Ah, mais oui, je suis con. On peut améliorer au niveau de la planète l'énergie, la puissance, la force. Et voilà, donc ça peut vraiment nous avantager dans notre quête de colonisation des autres planètes. Donc là, bon, on peut avoir différents choix. Hein. Donc on peut s'endormir aussi dans ce jeu, je vous l'avoue. Mais c'est le but, c'est vraiment de reposer le joueur. Pas de prise de tête, et c'est pas un concept super compliqué, mais voilà, ça peut être sympa. C'est un peu un jeu de territoire, j'aime beaucoup ça. Voilà, on va envoyer la moitié de notre armée, hein, on est fou. Voilà, on va. Ah, et là, vous voyez, oh là, là, c'est dangereux. Il y a des ennemis avec qui sont bien installés là. Et donc voilà, le Fleury HD fait ça. Et on se fait décimer. On est en train de perdre toute notre artillerie là. C'est mort. Voilà, on est mort. Bon, on s'est fait dézinguer, tout simplement. Et donc là, je pense que eux, ils vont nous attaquer parce qu'ils sont bien nombreux. Il faut faire gaffe. Donc on va essayer de partir en bas plutôt.
On va envoyer un petit seedlings, on va voir s'il y a des ennemis. Ouais, vous voyez, il y a des ennemis. Et là, ils viennent nous attaquer parce qu'ils sont malins. Donc on va tout simplement envoyer une bonne partie de nos seedlings. On voit que c'est vraiment dangereux ici. Les ennemis sont bien installés. Hein. Donc là, le mieux, c'est d'attendre qu'on ait plus de monde. Oula, 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 regarde-moi ça. Oula, là, là, là. Oula, oula, oula. On va tout simplement s'installer. Allez, vite, on va aider. Et là, on va créer des arbres rapidement. Voilà. Oula, là, 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 il nous envoie toute l'artillerie. Ok, vite. On va essayer d'aider parce que là, ouh, on se fait défoncer. On se fait démonter. C'est bon, heureusement qu'on est puissant. On peut toujours améliorer nos seedlings. Increase. Yeah. Voilà, la force, je l'ai augmentée. Au moins, on aura plus de puissance. Et là, je vais continuer à... Je vais envoyer quelques seedlings et je vais créer des arbres. Ici. Voilà. Plutôt pas mal. Vraiment pas mal. Oula. On va envoyer tout. On va envoyer tout là. Oula, on se fait attaquer des deux côtés. Ah, c'est là que vous voyez vraiment que c'est difficile de gérer ces territoires. Voilà, là on attaque. Oula, là, 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 c'est chaud. C'est vraiment chaud. Voilà. Voilà, sur la vidéo, c'est vraiment pas beau, mais je vous promets. Les couleurs sont vraiment très, très bien choisies. C'est plutôt rosé à l'arrière et là c'est vraiment blanc sur la vidéo. Oh là là. Bon, ce qu'on va faire, c'est qu'on va directement envoyer les mecs. Hein. On est plus fort qu'eux. La vitesse, hein, on peut pas l'améliorer. Ok, donc on peut rien faire. Donc on va tout simplement embrouiller ça, on va embrouiller tout. Hein. Allez, on est fou. Allez, bam, on attaque. On regarde l'attentat. Est-ce qu'on va réussir à prendre la planète? Voilà, on y arrive un peu. J'ai l'impression qu'on est en train de dominer. Voilà, parfait. On a pris la planète pour nous. Et voilà. Donc on a réussi. Ah non, on se fait attaquer. Attention. Attention. On va essayer d'aider rapidement. Voilà, on envoie tout. Et voilà. On est en train de faire du soutien. On est en train de se faire laminer la face. Il y a du monde. Voilà, on a perdu. Et là, voilà, on s'est attaqué des deux côtés. Donc, je vais tout simplement fortifier mes anciennes planètes. Je vais arrêter de... Je vais faire juste... Voilà, on va fortifier nos planètes. Parce qu'on est en train de se faire défoncer, tout simplement. On va se le faire reprendre. Donc voilà, il faut vraiment... De Florian, faire gaffe à ces planètes. Oh, ils nous ont pris vraiment notre puissante planète. Celle qui était la best. Oui. Je vais juste envoyer. Ah non, attendez. Ah, c'est bon. En fait, si vous voulez, ce qui vient là, c'est qu'on les entoure. Donc à l'arrivée, on va, je pense, s'en sortir. On devrait s'en sortir là. On devrait carrément s'en sortir parce qu'ils sont vraiment mal placés. Voilà, on va envoyer la moitié de nos armées à chaque fois. Donc là, on peut tout envoyer. On peut tout envoyer ici parce que, de toute façon, il se renouvelle toujours. Puisque j'ai pris les autres planètes derrière pour soutenir cette petite planète. Donc voilà, vous voyez, c'est vraiment excellent, je trouve, bon, le concept. Je suis plutôt satisfait du concept. On va continuer. Comme elle se renouvelle vite. Voilà, on envoie. Alors, il faut faire gaffe là, eux, ils sont dangereux aussi. J'aimerais juste reprendre la planète ici parce qu'elle était quand même assez importante. Et après, je pense qu'on va attaquer ici. Là. Est-ce que je vais y arriver? Pas facile. Hein. Pour le moment, je trouve ça très dur. Est-ce qu'on va y arriver? Combien ils sont là? 103. Ah oui, c'est la mort. On est que 91 ici. 32 ennemis contre 34. Donc on devrait y arriver. Ils nous envoient tout. Ils nous envoient tous les bâtards.
Et là, vous voyez qu'on est en train de se faire laminer. Ils sont 120 ennemis. Regardez-moi cette concentration, c'est abusé. C'est abusé, tous les ennemis qui nous envoient. On est 30 seedlings contre 86. On n'est plus que 29. Oh là là, c'est le combat, devient terrifiant. Et voilà, on s'est fait avoir. Et en plus, je leur ai filé une arme en plus. Putain, mais je suis trop con. Du coup, ils sont supra puissants. Donc là, le seul moyen de réussir, c'est tout simplement de se faire défoncer la gueule. On est en train de se faire défoncer, je crois que je vais perdre la partie. Donc on va arrêter ça, on va envoyer tout simplement nos troupes ici. Si on va arrêter aussi de... On va arrêter... Oh là là, on se fait démonte. Ah ben voilà, on s'est fait vraiment laminer. J'y pensais pas, vous voyez. Mais un instant, on va juste arrêter le... On va arrêter. Arrêter le contact. Alors là, par contre, il faut vite se démerder parce que... Oh, on est vraiment dans la mouise. Faudrait qu'on se développe plus rapidement. On n'est pas assez de seedlings. Et c'est un gros problème. Vraiment un gros problème. Allez, vite. Vite, vite, vite. Allez. Et le problème, on a plus de place pour... Oh, on se fait attaquer. Voilà, c'est mort. On a perdu. Donc voilà, mais on a perdu. Je pense qu'on a perdu. De toute façon, là, c'est mort. Faut pas faire grand-chose. On est combien là? Ils sont 40 ennemis, là, c'est bon. Deux seedlings contre 30 ennemis. C'est foutu. Donc voilà, on a perdu. On a perdu. Peut-être les tourelles, là, qui vont nous servir. Oh, c'est mort. C'est mort, c'est mort. C'est carrément mort. Qu'est-ce que vous voulez faire, là? Il n'y a plus d'ennemis. Enfin, plus d'alliés, on n'est plus rien. On est perdu. On est perdu. Voilà. Ils sont en train de nous défoncer les tours. Ah, on est ici en train de se développer. Vite, vite, vite. Ah, c'est bon, c'est bon. Non, pas pour longtemps. Ah, voilà, on s'est fait prendre une partie de la carte. Donc, on va vite mettre des arbres et se développer de nouveau. On peut peut-être survivre. Hein. On peut peut-être survivre. Mais je pense que là, c'est fini. Voilà. On est fini. On est carrément fini. On est carrément fini, on se fait finir. Voilà, on se fait attaquer de tous les côtés. C'est la mort assurée. Bon, mais voilà. Bon, on va s'arrêter là, du coup. Comme j'ai plus rien. Et voilà. We have lost this battle. The growers expect more of us. Ah, mon anglais exceptionnel. Mais donc, voilà, mais... On a perdu cette bataille, mais la guerre n'est pas terminée. Donc voilà, ben c'est un jeu vraiment plutôt très très sympa. On peut choisir la couleur de nos trucs, de nos plantes. C'est marrant. Donc voilà, ben, View Trophies. Si vous voyez ce jeu sur Internet, sur le store qui est pas cher, eh ben vous pouvez y aller parce que en plus il y a différents styles de jeu. Vous pouvez soit jouer en mode relaxation ou en mode challenge. Et là, je peux vous dire que ça peut envoyer du steak. Ah non, ah non. Je veux pas supprimer. Unlock level, ça c'est nul. Ça c'est nul, mais bon. Vous pouvez voilà choisir si vous êtes bloqué. Voilà, vraiment un bon jeu, Floria HD, c'est vraiment plutôt pas mal. Et je vous conseille sincèrement de vous tester le jeu si vous pouvez. Et donc voilà, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. N'hésitez pas à critiquer positivement comme négativement. Et je vous dis à la prochaine, salut à tous.